Bonjour tout le monde. Nous avons parlé il y a quelques semaines des origines du Front Populaire et il est temps maintenant de parler du comment le PCF s'est inscrit dans ce Front Populaire une fois qu'il a été mis en place. Donc, on va commencer aux élections législatives de 1936 qui sont un succès pour le Front Populaire, et notamment le Parti communiste français, qui gagne 6 points et avec 1,5 million de voix, le double de son score de 1932, il réalise 13,5% des voix, talonne le Parti radical 15% des voix. C'est d'ailleurs la dernière fois de l'histoire de la France que le Parti radical sera devant le Parti communiste français, que ce soit au niveau national, en nombre d'élus, et que ce soit sous sa forme du Parti radical unifié, du Parti radical de gauche ou du Parti radical valoisien. Ils ont toujours été derrière le PCF lorsque les deux étaient en concurrence au niveau national. Après, au niveau local, ça peut évidemment varier, notamment dans le Tarn-et-Garonne, bastion du Parti radical, mais ce n'est pas le sujet. La progression en termes d'élus est également très importante, puisqu'il n'avait que 23 députés, il passe à 72, profitant du désistement des candidats de gauche en faveur du candidat le mieux placé, ce qui est une grosse différence par rapport aux élections précédentes. Le Front Populaire totalise 57% des voix et 386 députés sur 608. Le PCF est légèrement sous-représenté au sein du Front Populaire, ce qui rassemble 23,5% de ses voix, mais seulement 18,5% des députés. Mais on est sur une sous-représentation bien plus faible qu'avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le PCF était présent quasiment dans toutes les circonscriptions au premier tour, puisque les trois gros partis, radicaux, SFI ou PCF, se présentaient de manière séparée au premier tour, et c'était uniquement au second tour qu'un accord de désistement s'appliquait. Et ça, en fait, c'est le début d'une tradition d'un désistement dit républicain au sein de la gauche, tradition qui, quand même, globalement, a été très respectée, avec certes des périodes où elle était un peu moins, mais jusqu'en 2012, c'était quelque chose qui s'appliquait encore très souvent, essentiellement entre le PCF et le PS. Les Verts l'appliquaient moins, c'était une nouvelle tradition, mais le PCF, le PS et du coup le Parti radical de gauche l'appliquaient encore, et ça pouvait l'être aussi de candidats divers à gauche, du mouvement républicain et citoyen. C'est une tradition très ancrée. À cette occasion, le PCF avait modéré son programme pour assurer l'électorat du Parti radical, et par exemple, il évoque l'idée d'un salut du peuple français et non plus seulement de la classe ouvrière. Ses scores les plus importants lors de ces législatives se font dans la banlieue rouge, qui a commencé à émerger, comme on l'a vu, en 1935, et dans le nord. Mais il commence également à s'implanter dans d'autres zones du pays, par exemple dans le sud ou dans le massif central, certaines zones qui sont encore ses points de force, par exemple l'Allier et le Puy-de-Dôme. L'Allier, qui est un département où le PCF est encore très fort, que jusqu'en 2015, ils avaient le conseil général, et le Puy-de-Dôme, c'est le bastion d'André Chassaigne. On a un groupe donc très renouvelé à l'Assemblée, puisqu'il quand même triple son nombre de députés, un groupe assez jeune, 50% en moins de 40 ans. On y trouve 42% d'ouvriers, 24% d'employés, 22% d'intellectuels, et on a à peu près la moitié de ces élus-là qui sont également des élus locaux. Et du coup, on a donc pas mal de non-élus qui deviennent députés. Et il gagne également beaucoup d'adhérents durant cette période-là, puisqu'il va en 1936, à ce moment-là, lors des législatives, avoir environ 120 000 adhérents, ce qui était son nombre d'adhérents au moment de sa fondation en 1920, et qu'il n'avait jamais retrouvé depuis, puisqu'il n'avait pas cessé de perdre quasiment des adhérents depuis 1934. Il était tombé quand même à 30 000 adhérents, donc il a quatruplé en deux ans son nombre d'adhérents. Ce nombre va continuer de croître, puisqu'il va passer à 300 000 adhérents en 1937, donc une multiplication par 10 en 3 ans, et en 1938, il va atteindre son maximum avec 350 000 adhérents. En 1939, par contre, les événements vont voir le Parti communiste commencer un reflux, et ça, on va en parler dans la prochaine vidéo. Ainsi, dès 1936, le PCF redépasse à nouveau la SFIO, même si celle-ci a une certaine dynamique, mais elle n'a à ce moment-là que 280 000 adhérents. Dès 1936, le PCF repasse à nouveau devant la SFIO, ce qui a été le cas à son origine, même si la SFIO connaît également une dynamique, puisque durant la période du Front Populaire, elle va monter jusqu'à 280 000 adhérents, mais moins du coup que les 350 000 maximum du PCF. Celui-ci va donc soutenir le gouvernement Blum, la SFIO étant arrivée en tête de la gauche, c'est donc à elle de diriger le gouvernement, mais sans y participer, ce qui était un peu la stratégie de la SFIO avant lors des alliances avec le Parti Radical, surtout en 1924, en 1932 c'était un peu moins clair, mais globalement la ligne de la SFIO c'était on soutient un gouvernement radical, on vote en faveur de ce gouvernement, en échange de mesures, mais on n'entre pas au gouvernement. Là le PCF c'est sa ligne à lui. L'objectif étant de ne pas trop être associé à ce gouvernement s'il venait à être impopulaire, à ne pas être associé à d'éventuelles mesures impopulaires, et à garder quand même une certaine indépendance. Le PCF disait qu'il avait le ministère des masses, parce que c'était le parti avec le plus adhérent, qu'il avait d'importants réseaux syndicaux, et donc voilà, il disait « nous on n'a pas le gouvernement, mais on agit dans les masses pour soutenir le gouvernement ». Ça ne l'empêchera pas de soutenir quand même les mouvements, les premiers mouvements de grève qui vont se lancer après la victoire du Front Populaire, pour faire pression sur celui-ci et assurer qu'il tiennent ses promesses, c'est assurer que le patronat ne s'y oppose pas trop. Ces grèves vont d'abord se lancer dans les bastions du Parti communiste, ou dans les usines à forte implantation de la CGTU, donc on voit qu'il y a quand même un lien, puisque la CGTU c'était quand même le syndicat qui était lié au PCF,
et vont atteindre leur apogée en juin. Après cette lancée, du coup, le 11 mai 1936 dans les usines d'aviation de Breguet. Et le 13 mai, on a aussi l'ATECO Air à Toulouse qui est aussi où le mouvement se lance. Et ça va se répandre comme une traînée de poudre. Ainsi, le 24 mai 1936, on a un rassemblement en souvenir de la commune qui rassemble 600 000 participants. 600 000 dans un rassemblement. C'est quand même pas rien. Et en nombre, en juin 1936, le nombre de grévistes atteint les 2 millions. Ouais, 2 millions de grévistes, c'est quelque chose qu'on n'a plus trop l'habitude aujourd'hui. Mais à l'époque, ça y allait. Et il y avait 9000 usines occupées. Ce sont des manifestations souvent joyeuses. Hein. Certes, c'est revendicatif, mais il y a également un aspect festif. On fête la victoire du Front Populaire. C'est notre victoire, la victoire du monde ouvrier. Cependant, le PCF va lâcher un moment ses grèves et, une fois que les accords de Matignon sont signés le 7 et 8 juin 1936, il appelle à cesser la grève, d'où la citation de Thorez, célèbre et souvent utilisée mais souvent tronquée, « Il faut savoir arrêter une grève dès que la satisfaction a été obtenue ». Souvent on arrête à « Il faut savoir arrêter une grève ». Il faut quand même avoir la citation complète pour bien la comprendre, après on peut en penser ce qu'on veut, mais voilà, au moins ayons l'honnêteté intellectuelle de la prendre dans son ensemble. Donc ça, c'est ce qu'il a déclaré le 11 juin 1936. Et globalement, le PCF va avoir cette ligne sur les différents mouvements de grève qui vont avoir lieu durant le Front Populaire jusqu'à sa chute. Du coup, ces accords de Matignon, qu'est-ce qu'ils contiennent? Des avancées indéniables, qui vont au-delà de ce qui était le programme même du Front Populaire à la base. Ça montre d'ailleurs l'efficacité du mouvement de grève. Il faut faire pression sur le gouvernement et s'assurer qu'il tienne ses promesses et qu'il aille même plus loin. On a les 40 heures, les premiers congés payés sont mis en place, on a des salaires qui sont augmentés, en moyenne 12%, les délégués du personnel sont créés, donc ça a quand même permis aux ouvriers d'avoir des représentants. Avant, ça n'existait que dans certains secteurs, par exemple les mines. On a également Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État au sport et à l'organisation des loisirs, qui va créer des billets de train avec 40% de réduction pour tous ces ouvriers qui vont pouvoir partir pour la première fois de leur vie en vacances, grâce aux congés payés. Et également, du coup, 29 juillet 1936, la retraite des mineurs est votée. Et le 28 août, une loi sur les allocations chômage est également mise en place. Mais le PCF sera quand même parfois accusé d'avoir trahi un mouvement révolutionnaire qui aurait été en route à ce moment-là pour soutenir de simples revendications réformistes. En tout cas, c'est des accusations qui sont portées par l'extrême gauche, par exemple, à lutte ouvrière. S'il y a des avancées indéniables, le maintien de l'alliance du Front Populaire n'est pas simple. Pas simple du tout. Il y a des accords nombreux sur les questions économiques, déjà. Mais également, il y a la guerre d'Espagne qui arrive et qui divise. Le PCF est favorable à une intervention, la SFIO est divisée sur la question, et le Parti Radical est farouchement contre. Et ça, ça va être un sujet de discorde très important, et vu qu'en plus la situation économique du pays est quand même encore assez difficile, hein, certes le Front Populaire arrive à relancer un peu l'économie et la production du pays, mais il n'arrive pas à revenir à ce qu'il était avant 1932, lorsque la crise économique de 1929 a vraiment frappé la France. On ajoute à ça les attaques de la droite et de l'extrême droite qui sont très virulentes. On a quand même un ministre qui s'est suicidé suite à une campagne de diffamation lancée par l'extrême droite, l'Action française et Gringoire. Donc ça, c'est l'affaire Salengro. Donc on a un gouvernement qui est fragilisé. Et en juin 1937, le Front Populaire commence à battre de l'aile. On a alors le remplacement de Blum par le radical Chotan. Le gouvernement Blum tombant alors, suite au refus du Sénat de lui accorder les pleins pouvoirs en matière financière, pleins pouvoirs qui lui avaient été accordés par la Chambre des députés et dont il avait besoin pour faire face à la situation économique qui était encore difficile. Et donc, suite à ce refus, le gouvernement Blum a décidé de démissionner. Et il faut savoir que lors de ce vote au Sénat, beaucoup de sénateurs du Parti radical, qui pourtant officiellement soutenaient le Front Populaire, avaient refusé de le voter. Alors, il faut savoir que les sénateurs radicaux étaient plus à droite que les députés du même parti, mais c'était quand même un signe assez évident que le Front Populaire battait alors de l'aile. Et les difficultés économiques du pays continuent. En 1938, on a finalement un gouvernement radicaux allié à la droite qui se met en place, mené par Daladier, et qui donc remplace le Front Populaire, qui prend à ce moment-là fin, officiellement, et revient sur plusieurs mesures de celui-ci. Le PCF, qui va avoir tendance à chercher quand même à essayer de sauver le Front Populaire jusqu'au bout, mais à ce moment-là, c'est fini. Et ça va se voir clairement dans la répression qui va commencer à s'abattre sur le PCF. Et cela va également se voir dans des divisions importantes, par exemple sur les questions des accords de Munich. La SFIO et les radicaux soutiennent globalement ces accords de Munich. Il y a quelques membres qui s'abstiennent, qui votent contre, même à la SFIO, mais c'est très minoritaire. Là où le PCF s'y oppose farouchement et vote unanimement contre. Donc là, il y a une autre grande ligne de fracture qui apparaît. Et alors, le PCF, alors, à la beau, a tenté d'appeler un nouveau gouvernement populaire et antifasciste avec la SFIO, tentant de s'appuyer également sur une forte mobilisation populaire avec la CGT, ça ne marche pas. Déjà, la CGT n'est pas unie non plus sur les questions de Munich, l'opinion publique en fait soutient globalement les accords de Munich, et donc il n'y a pas, comme en 1934, un gros mouvement de l'opinion publique, et le Front Populaire est vraiment mort. C'est fini pour le Front Populaire.
Cette période du Front populaire va voir de nombreuses évolutions en fait pour le Parti communiste. Déjà, le ralliement à l'idée de défense nationale, ça c'est assez nouveau. Le PCF était uniquement internationaliste et l'idée de défense nationale lui était étrangère. Certes, cette idée de défense nationale était nourrie par la peur du fascisme, mais c'était une défense nationale contre une menace fasciste, mais il y avait quand même une certaine forme de normalisation du PCF qui va se réapproprier des éléments de l'identité française, comme le 14 juillet, l'imaginaire de la Révolution française aussi, qui était quand même moins utilisé avant parce que c'était associé à une révolution bourgeoise. En tout cas, dite bourgeoise. Et simplement pour le PCF, le fait de se rapprocher d'autres forces de gauche, de reprendre du coup des éléments communs avec eux, de soutenir un gouvernement, tout ça, c'est des éléments de normalisation du PCF. Le PCF, ainsi, du coup, vote pour la première fois de son histoire les crédits de guerre. On a également l'apparition de drapeaux français lors de manifestations du PCF, le chant de la Marseillaise, et non pas seulement de l'international. On a du coup, comme on l'a dit plus tôt, une modération du programme pour rassurer la classe moyenne, le parti radical. Par exemple, la question de la propriété, où il affirme devoir que la propriété doit être protégée, ça aussi c'est quand même une certaine rupture, sans même juste être dans la distinction entre propriété d'usage et propriété lucrative, qui pourrait être faite, mais là c'est vraiment l'idée de propriété en général que le PCF dit défendre. Ça c'est quand même assez particulier quand même pour la ligne du PCF. On a également sur la question coloniale où le PCF se modère, sera à une position plus réformiste, opposée à la colonisation, mais prenant pas une indépendance d'un coup, mais disons voilà, progressivement. Donc c'est quand même quelque chose, un moyen de ne pas trop s'opposer à la politique menée par le Front populaire qui ne va pas vers l'indépendance des colonies. Donc c'est à ce moment-là où le PCF devient plus réformiste. Il arrête de voir l'État comme un simple outil aux mains des capitalistes, qui était sa ligne avant. Et maintenant, il voit ça comme une institution contrôlée certes par la bourgeoisie, mais sur laquelle le contrôle n'est à la fois pas total, et ce qui permet à la classe ouvrière de peser, mais où également s'exercent des contradictions au sein de la classe bourgeoise, et qu'il est possible donc de favoriser certains courants de la bourgeoisie à d'autres. Une bourgeoisie plutôt républicaine à une bourgeoisie réactionnaire et fasciste, par exemple. Autre signe de la normalisation, c'est le succès plus important dans les milieux intellectuels. On voit également une certaine prise d'autonomie par rapport à l'international communiste, qui reconnaît alors qu'il existe des spécificités nationales et qui donne donc une certaine autonomie toute relative. Toute relative, hein, l'international communiste a comme le dernier mot, mais c'est un début d'existence et par exemple le fait de s'allier avec les radicaux, ce n'était pas une consigne directement de l'international communiste, mais une initiative du PCF. C'est également à ce moment-là où le sigle SFIC cesse d'être utilisé et on dit seulement désormais Parti communiste français. Donc, il y a l'aspect français qui devient plus important. Néanmoins, le PCF va connaître des difficultés durant la période, ce n'est pas qu'une période dynamique, puisque par exemple en 1938, il y a les procès de Moscou en URSS qui vont nuire à son image. Il y a également beaucoup la crise du Front populaire qui va affaiblir tous les partis qui ont son membre. Le montée du pacifisme aussi qui isole le PCF et l'URSS qui sont à l'époque, à ce moment-là, prôner la guerre contre l'Allemagne nazie. Ça, on l'oublie souvent parce qu'on pense aux accords germano-soviétiques, mais avant ces accords, le pays qui prônait le plus la guerre contre l'Allemagne nazie, c'était l'URSS. Et le parti en France qui prenait le plus cette ligne-là, c'était le Parti communiste français. Et à l'époque, ils étaient isolés à cause de ça. Ces difficultés vont se transformer en véritable crise durant les années 1939-1940, mais cela, on va l'étudier dans la prochaine vidéo, puisqu'on va étudier l'histoire du PCF des accords germano-soviétiques jusqu'à la capitulation française. Alors là, on va vraiment étudier une période très courte, mais qui est très intense, avec beaucoup de choses à voir, beaucoup de subtilités. Donc, on va se concentrer sur cette période-là dans la prochaine vidéo sur l'histoire du Parti communiste français. J'espère que cela vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Vous pouvez également commenter pour dire ce que vous en avez pensé, faire des ajouts. Et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !